What's up, my boys? On va faire une expérience. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Il y a quelques jours, j'ai commandé des trucs. Et ce que j'ai entre les mains, c'est du matos gaming. On va mettre ça de côté. Vous avez dû le voir sur la miniature. Voici le clavier avec lequel je joue en ce moment à Fortnite. Et en fait, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est à chaque fois que je meurs, je vais devoir changer mon clavier et en avoir un de plus en plus petit. Un exemple maintenant d'un des claviers que je vais utiliser. Non, mais c'est impossible! Seuls ceux qui ont déjà joué avec un clavier ont le droit de liker cette vidéo. C'est parti, alors quelle est la touche que j'utilise pour sauter du bus? Espace. Le clavier que vous voyez ici, c'est un clavier que j'utilise depuis quasiment 2 ans. C'est un SteelSeries. Les joueurs pro Fortnite en ce moment ils utilisent ce clavier, pourquoi? Parce qu'en fait, les touches quand tu appuies dessus sont ultra légères. À peine tu passes droit dessus, ça l'utilise. Oh putain, où est-ce que je spawn? Moi je spawn dans un endroit extrêmement random. Alors pour ceux qui jouent clavier, vous devez remarquer que je place mes doigts d'une façon très bizarre. En fait c'est une mauvaise habitude que j'ai depuis que je suis tout petit. C'est que normalement en fait quand t'es joueur clavier, voici comment tu joues. C'est à dire que tu vas mettre ton majeur, oubla excusez-moi, sur le Z. Et ensuite après pour aller devant. Et tu vas jouer comme ça à peu près. Sauf que moi en fait je suis décalé d'un doigt. C'est à dire qu'au lieu d'être comme ça, je suis comme ça. Oui je sais c'est grave chelou. C'est mon index en fait qui est sur Z et pas mon majeur. Mais vous en faites pas, vous en faites pas là. On va aller tuer les gens. Oh y'a un joueur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, frère? Je crois qu'il fait son défi, c'est pour ça. Let's go, first kill. Pas je dead, hein, les gars, parce que je vous jure que les claviers que j'ai achetés, à la fin, ça va être impossible. 12, 13 kills. Ah, il y a une arc! J'ai pas dog! Par contre, j'ai un barrette maintenant. Regardez. Oh, dommage. Qu'est-ce qu'il fout, frérot? Oh, deg, là. Bon bah c'est parti, premier clavier les amis. Ça c'était plutôt un gros clavier où j'avais les touches F1, F2, F3, F4 plus aussi le pavé ici des chiffres. Et voici le suivant. Déjà on a une bonne différence, c'est qu'on perd toute cette partie là du clavier plus les touches en haut. Alors il y a zéro placement de produit les amis. Celui-ci c'est un Razer Huntsman Mini. On va le tester hein, moi j'ai jamais fait avec des Razer. On va voir un petit peu les touches que c'est. Et j'ai pas de ciseaux. Waouh. Oh comment ça va me changer. What the fuck. Petit instant SMR. Let's go le brancher. Oh il s'allume. Oh, oh violet en plus. Oh là là j'adore. Est-ce que ça fonctionne? Uncharted, tes vidéos, elles sont trop cool. Bam. Alors le clavier, il y a deux styles de clavier, soit en AZERTY, le clavier français, ou soit en QWERTY comme celui-là. Q-W-E-R-T-Y. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté à l'étranger. Ça c'est pas grave, on va pouvoir changer les touches. Là on voit vraiment bien la différence de taille tu vois. C'est parti deuxième game. En vrai on arrive à avoir tous les touches encore. Y'a un mec là-bas. Crac. J'avais le tuer. Oh my god, 237 mètres. Pour l'instant j'ai pas trop de gêne que ça, j'ai l'impression que les touches elles sont quand même vla serrées. Oulalalala, le shooter jack dude. Vous voulez me faire changer le clavier? Crois pas que tu vas y arriver mon gueule. Let's go. Ah, j'adore le clavier en fait. Les touches sont vraiment différentes mais ça va quoi. Oh, je trouve que c'est tight en face. Oh regardez les gars. Touch. Touch. Attends, c'est parti les gars. Oh y'a un mec d'air. Ça fait mal, ça fait mal. Il s'enfuit. On va prendre ça, on y va. Il est là. Let's go. On crève pas avec ce clavier, what the heck. Oh, on a mis une balle de snipe. On fonce. Oh merde, je suis mort, je crois. Non. Dommage. HP. Bon, lequel on va prendre? Dites-vous, il y a quand même des claviers qui font cette taille. Bah alors ça, ça va être la moitié de celui-là, tout simplement. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh, il s'allume. Alors, la qualité est dégueulasse. Regardez là, le D est pas fait. Le shift, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé 5 polices d'écriture différentes. Le tab, les lettres, elles sont mal faites. C'est full plastique, hein. Il glisse un peu quand même. La main dessus a l'air de bien se poser, par contre. La barre espace, c'est ça. T'as touché F1, F2, F5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu veux écrire 7, 8, 9, ça n'existe pas. Et là, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas toutes les lettres. Par exemple, là, si je veux mettre mon code créateur, il n'y a pas de U. Me voici en game, alors. Tab, ok, je peux encore ouvrir la map. L'inventaire, c'est pas possible. Sauter, je peux. Hop là. Oh là 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 là. Déjà, un truc qui me dérange, c'est quand j'appuie sur D, ça touche le X aussi. Là, c'est pas une réussite, on peut ramasser le matos. Je joue. Y'a pas d'armes. Ah, j'ai pas testé les SMR. C'est pas trop ça. On sent que la qualité est pas là. Y'a un mec. Ok, j'ai j'ai pas de shoot. Oh oh oh. Mais c'est impossible. Mais what the fuck.
M'en fous, je l'ai avec le Deagle. Yes! Ah, le clavier, je sais pas, j'ai du mal avec les touches. Bon, j'aime bien le petit repose-main ici qu'il y a. C'est vraiment agréable. What the fuck, c'est qui a mis les champignons comme ça? C'est des malades. Encore un joueur là-bas. Est-ce que... Heureusement les gars je suis 11 en construction parce que là les touches débiles ça serait la merde. Ah, je t'ai pas entendu. Indiana Jones. What the fuck. Il avait un M-Bot ou quoi? Oh c'est Michou. C'est Michou les gars. J'aurais trop aimé enregistrer ma voix pour mettre dans la radio. Heureusement ils m'ont pas appelé. Eh hey, un joueur là. 8 7 6 5 Ouh je suis en vie. Et monsieur là je crois le gars. Viens là. Les gars, comme une de trop deck. Ah, mais what? Je pensais qu'il s'était caché là-dedans. C'est logique, en plus, il y avait une faille au sol. Mais qu'est-ce qu'il est? Bon, ça va, en vrai. Pour la game que je fais, ça va. Je peux pas danser. La touche de danse n'existe pas, mais... Oh, il y a un mec là. Je pense qu'il s'attend à me voir ici. PTDR. Et si ce clavier me fait top 1, frérot? Non! Oh là 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 là. Vous savez pourquoi il m'a pas tué? Parce qu'il avait le nouvel SMG. Let's go! That's right. J'y aille. Oh le top 1? Le top 1, les amis! Et le top 1. Bon mec, clavier top 1 les gars. Est-ce qu'on passe au suivant? J'ai envie de te voir jouer avec ça moi. Bon ben voici le dernier clavier les amis. J'ai vraiment envie de te voir jouer avec ça. Voici le clavier le plus petit du monde. Regardez la taille du bail. Mec, les touches, mais regardez la taille de mon doigt. Je vais faire comment? J'ai joué comme ça. Allez next. Bonne chance. Alors ce clavier, pour le brancher derrière en fait, c'est un petit USB. Je mets ça au PC, ça devrait fonctionner. Oh la dinguerie. Alors regardez la différence quand même qu'on a. Voilà, hein. Waouh. Mini keyboard, le plus petit clavier du monde. Ok. Ça, il paraît que ça fait... Oh, ça fait souris. Mais non, ça fait clavier et souris. Mais frère, attends, c'est-à-dire je peux aller là. On fait le même test comme d'hab. U-N-C-H-A-I. L-E-D. Frérot. Bon, pour vous dire, mon doigt fait à peu près 4 touches. Ça va être trop bien à jouer. Attends, dis-moi pas si je peux bouger mon personnage avec ça. Oh. Mais non, ça fait manette. Oh, je joue manette. Ah, je me débrouille, hein. Bon, vas-y, faire de plaisanterie, je reprends quand même ma souris. Regardez la taille de la souris, quoi. Bon, pour l'instant, ça va pour se déplacer. Juste, j'appuie sur une touche. Par contre, il faut appuyer fort, hein. Oh, il y a un joueur. Oh, il y a un joueur. Ouh là là là, la pression. Une arme, s'il vous plaît. Oh, j'arrive pas à avancer. Ok, comment je prends mon arme? J'arrive pas à appuyer sur la. Ah. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. Oh, je suis mort, frère, c'est un bon joueur. Je peux pas me déplacer! Parce que regarde, si je me déplace, et bien ça glisse tellement c'est léger! Regardez, j'appuie pour aller à droite, pour aller à gauche, pour descendre, pour avancer. Mais comment je fais? Je vais devoir caler mon clavier sur un des autres claviers, mais tu te rends compte le bail? Juste pour pas qu'il bouge, quoi. C'est quoi, tant qu'on y est? On va jouer avec la plus petite souris du monde. Tu t'y attendais pas, hein? Ah. Oh my god, la taille de maman. Elle est où la souris? Elle est là. Ok, objectif, faire un kill. Oh lui c'est mon kill. Et toi tu vas mourir avec le plus petit setup du monde. Ok, tu m'as entendu? Pour faire ça, on va spawn. Merde, c'est nul où je veux spawn. Putain, je fais que de me tourner de touche. Ah. Mec, je galère. C'est... En fait, je dois regarder mon clavier tout le temps. Mais avec un peu d'entraînement, il y a moyen. Oh my god. Non mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Je dois jouer avec mes ongles. Je joue intelligemment, je vais pas utiliser tout. Je vais utiliser que W et espace et je vais rien faire d'autre. Où est-ce que t'es? Là, joueur. Attends, si je fais ça et ça, je vise bien, non? Touché. Let's go. Avec la souris, le clavier le plus petit du monde. Je veux un succès. Fortnite, s'il vous plaît, donnez-moi une médaille. Attends, je tentais de monter tout là-haut. J'arrive pas, putain, c'est horrible. Et la barre espace, elle fonctionne qu'à moi, je te le dis. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Incroyable ce que je viens de faire. Bien joué. Oh. Objectif, ouvrir ça et tout ramasser. Oh. Les amis, je suis le roi du monde.
Pote de noob, vous êtes mort par un mec, il a un clavier, il fait 1 mm. Let's go. Et merde. Et merde. Bon, j'espère que t'as kiffé mes claviers. Dis-moi dans les commentaires si tu voudrais une prochaine partie où cette fois-ci on fait pas avec des claviers chelous, mais des manettes extrêmement bizarres. Comme celle-ci. Sur ce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'as kiffé le contenu. Active la cloche pour ne rien louper, frérot. Et tu peux juste cliquer sur cette vidéo si tu veux en voir davantage. C'est une petite pépite. Geek comme un porc, profite bien des vacances, mon gars. C'était une chaîne. Ciao bye. C'est merde.